Un coup de fusil de Georges Courteline en 1905. Plantons le décor. Nous sommes dans une petite salle à manger bourgeoise. Au-dessus du couvert dressé et du potage déjà servi dans les assiettes, la lampe brûle dans sa suspension. Madame, très agacée, va, vient, se lève, se rassied, se relève, va de la porte à la fenêtre et de la fenêtre à la pendule. Soudain, la porte s'ouvre, paraît monsieur. 7h20. Tu n'es pas honteux de rentrer dîner à de telles heures? Tu t'es encore attardé à ta saleté de brasserie, à jouer à ta saleté de manille, avec tes saletés d'amis, tas de bohémiens répugnants qui se gobergent à ton compte et se fichent de toi le dos tourné. Tais-toi, ah, tais-toi, je t'en prie. Ne dis pas cela. Ah, ça! Mais tu n'es pas malade? Donne-moi un verre d'eau. Merci. Ma pauvre chère. Ah, j'ai bien cru que je ne te reverrai jamais, Eva. Tu me fais mourir d'inquiétude. Il t'est arrivé quelque chose? Tu as couru quelque danger? J'ai reçu un coup de fusil. Un coup de... Ah, oh, Seigneur, dis-moi tout. Je veux savoir la vérité. Oh, je suis forte devant le malheur. Tu es blessée? Non, je ne crois pas. Seulement, tu sais ce que c'est? La surprise, les nerfs. J'en suis encore malade d'émotion. Redonne-moi un verre d'eau, veux-tu? Et où cela t'est-il arrivé, mon chéri? Dans le tramway. Comment dans le tramway? Tu as reçu un coup de fusil dans le tramway? Oui. Mais c'est insensé. C'est à peine croyable. Croyable ou non, il en est ainsi cependant. Et qui est l'infâme? Le chasseur, parbleu. Le chasseur, l'éternel chasseur, l'indispensable chasseur, plaie de ce siècle pourri. Qui nous dépoisonnera du chasseur, grand Dieu? Et puis d'abord, je te le demande, de quel droit ces gens-là errent-ils par les rues avec des armes à longue portée, alors qu'on m'arrêterait, moi, si je me hasardais à mettre le pied dehors avec un méchant revolver de 6 francs dans la poche de ma redingote? C'est une honte, je te dis, c'est une véritable honte. Tiens, donne-moi un troisième verre d'eau, car le sang me monte à la tête, je finirai par attraper une congestion. Voyons. Calme-toi, je t'en supplie. Et raconte-moi la chose en détail. Eh bien voilà. M'étant attardé en effet à perdre un certain nombre de consommations et avide d'éviter tes éternels reproches, j'avais pris place sur la plateforme du tramway Bastille-Porterap. À la hauteur de Saint-Germain-des-Prés, des psst-psst désespérés attirèrent mon attention. Mais non point celle du conducteur, lequel discutait course, tuyaux et performances avec un garçon pâtissier, que surplombait un croc en bouche. Je me retournai aussitôt et vis un gros bougre essoufflé qui, les mains tendues en avant, galopait derrière la voiture avec l'espoir de l'attraper. Il avait des guêtres de cuir et une veste à boutons de métal. La crosse du fusil à deux coups qu'il portait en bandoulière battait la mesure sur ses fesses culottées d'un velours à raies. Et je songeais, y a-t-il des gens qui sont bêtes? Voilà pourtant un gros fourneau qui pense rattraper des chevaux à la course. Oh, l'imbécilité humaine est un bien curieux spectacle. Tu aurais peut-être mieux fait de prévenir le conducteur, ça aurait été plus charitable. Tiens, est-ce que ça me regardait, moi? À ce moment d'ailleurs, et j'en demeurais ébahi, l'homme parvint d'un suprême effort à sauter sur le marchepied. La force acquise le projetant en avant, il pénétra ainsi qu'une flèche à l'intérieur du tramway. Tandis que moi-même, précipitamment, je me rejetai en arrière, non sans avoir eu le nez heurté du bout brinque-ballé de son arme. Et après? Quoi, et après? C'est tout? Alors non, tu ne comprends pas qu'elle eût pu être chargée, cette arme? Que chargée? Elle eût pu partir, que, partant, elle eût pu me ravager la face,
me priver de l'usage si précieux de mes yeux. Ah, que voilà donc bien les femmes. Sans doute il eût fallu, sale bête, pour que tu dédaignasses t'émouvoir, que l'on me rapporte infirme, estropié à tout jamais, sur un brancard municipal. Non, jamais depuis que le monde est monde, on eut exemple d'une stupidité plus grande, d'une plus écœurante poltronnerie. Ainsi voilà un idiot qui rentre chez lui dans l'état que vous savez, avale 2 litres d'eau, me tourne les sangs, m'affole. Et tout ça parce qu'un chasseur lui a, du canon de son fusil, effleuré le nez au passage. Du canon? Au fait, mais c'est vrai. Ce n'est pas un coup de fusil que j'ai reçu. C'est un coup de canon. Ah, mon Dieu, eh bien je l'ai échappé belle. J'ai reçu un coup de canon dans le tramway de la porte-rappe. De l'eau, je m'évanouis. De l'eau, donc, de l'eau. Et au songer du bruit couru, monsieur tombe en défaillance.